An interview with Baptiste Tavernier, Budoka, artist and writer. Baptiste Tavernier, born 1981 in France, pursues a creative path that has led him from experimental music through the martial arts of Japan to the painter's canvas. He discovered Budo at the age of 8 when he joined his local judo club. While studying digital art and musicology in college, he started practicing a rather rare martial art called Bozendo in France in 1999. He left for Japan in 2006 and joined the International Budo University for 8 years, where he focused on the study of modern Budo and traditional Bujutsu. He is now a Renshi 6th Dan in Tankendo, 4th Dan in Jukendo and Naginata, 2nd Dan in Batodo, Shodan in Bozendo, and has some experience in Aikido, Judo, Tendoryu Naginata Jutsu, Tatsumi Ryu Heiho, and Ishin Ryu Naginata Jutsu. Deeply involved in the international diffusion of Jukendo and Tankendo, he is now the chairman of the All Japan Jukendo Federation's International Committee. He regularly writes articles in the Kendo World magazine and has published a book on Miyamoto Musashi's Heiho Sanjugo Kajo, the 35 articles of swordsmanship that precede the famous Book of Five Rings. Baptiste currently lives in Taipei, where he teaches Jukendo and Tankendo and develops his creative work. He has exhibited in Tokyo, Hong Kong, Miami, Taipei, Rotterdam, and many other cities. During one of his numerous trips to Japan, this time on the occasion of the Kendo World Annual Keikokai, he accepted our invitation and we met in early August 2017 for this interview. Alors, le Jukendo, c'est quoi? Parce que finalement, pas grand monde ne connaît, mais d'ailleurs même pas au Japon. Enfin, des gens connaissent évidemment, mais souvent, relativement souvent, quand on dit au Japon qu'on fait du Jukendo, les gens sont là, « Ah, bah, vous faites du judo, du kendo, mais c'est vachement bien !» C'est là, non, c'est pas du Jukendo, c'est du Jukendo. Et donc, le Jukendo, c'est... Si on traduit ça littéralement, finalement, c'est la voie de la baïonnette. Il y a quand même une certaine vision très très romantique des arts martiaux japonais. Souvent, j'ai l'impression que les gens confondent ou mettent dans le même sac les arts martiaux chinois et les arts martiaux japonais. C'est-à-dire que les arts martiaux chinois, il y a quand même une très longue tradition d'arts martiaux civils, c'est-à-dire pratiqués par des civils, et une très longue tradition d'arts martiaux militaires. Et ces arts martiaux, finalement, coexistaient, mais ne sont jamais vraiment interpénétrés. Et donc, il y a toute cette idée romantique du grand maître philosophe qui médite et compagnie, qui, à mon avis, viendrait plus des arts martiaux chinois civils que des arts martiaux japonais. Et donc, souvent, on dit oui, alors les grands maîtres japonais, machin, la méditation, philosophie, des arts martiaux. Je pense qu'il faut venir au Japon et voir comment ça se passe et qu'on... La vision changerait assez rapidement. C'est vrai qu'historiquement parlant, la philosophie tout ça dans les arts martiaux japonais, c'est pas non plus développé à l'extrême, en tout cas certainement moins qu'en Chine. Tout ça pour dire que ça peut paraître bizarre qu'on ait fait un art martial moderne, philosophique, tout ça machin, avec une baïonnette. Tout simplement, quand les arts martiaux modernes au Japon ont émergé, on va dire, à partir de Jigoro Kano, c'est-à-dire le fondateur du judo, à la fin du 19e siècle, Kano, lui, avait des idéaux, on va dire, un peu de... J'aime pas ce mot philosophique, mais... Il y avait des idéaux un peu plus haut placés, c'est-à-dire l'utilisation du judo pour former les gens, pour leur montrer quelque chose de nouveau pour qu'ils puissent travailler sur eux-mêmes, travailler. Un peu comme le corps saint, l'esprit saint dans un corps saint qu'on a chez nous, c'est-à-dire ça c'était un peu l'idéal de Kano. Par contre, les autres arts martiaux au Japon, au début de l'ère Meiji, donc à la fin du 19e siècle, l'évolution du Kenjutsu en Kendo, etc., finalement c'est quand même très militaire, hein. Faut quand même pas se voiler la face, ça a été
introduit dans les écoles, pas pour développer des grands esprits humanistes et tout, c'était surtout pour développer des corps forts et qui pourraient après aller remplir les rangs de l'armée impériale. Alors bon, je fais un certain saut dans l'histoire parce qu'au début c'était pas ça, mais rapidement c'est devenu ça. Et donc le côté machin philosophique, tout ça, des arts martiaux modernes, je pense qu'il faut quand même mettre un peu les choses en perspective. Et donc de ce point de vue-là, l'inclusion de la baïonnette dans les arts martiaux modernes japonais, il fait tout à fait sens. Parce que si on va former des jeunes gens à pouvoir, enfin le former, on va dire physiquement et puis moralement à vouloir se battre après, à devoir se battre dans l'armée impériale quand ils seront plus âgés, le kendo c'est bien, la baïonnette c'est pas mal non plus. Pour en revenir à la version moderne du jukendo, donc ça se pratique avec, on a une là, une toute petite, ça c'est pour le modèle pour les enfants, mais c'est tout simplement, c'est un fusil en bois comme un boken ou un jo pour les gens qui font de l'aïkido, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a un peu de caoutchouc au bout pour amortir. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça se tient comme une baïonnette, tout simplement, hein. Et on met une armure qui est quand même équivalente, plus ou moins, à celle de kendo. Il y a des différences, mais on va pas rentrer dans les détails. Et on combat comme en kendo, mais au lieu d'avoir un shinai, on se tape dessus. Enfin, on se tape dessus, on se poke. On se poke. On s'estoque avec la baïonnette. Donc le jukendo, c'est un art martial japonais, certes, qui à l'origine vient de France. Ça peut paraître bizarre. La formalisation, on va dire théorique, du combat à la baïonnette au Japon est en réalité réalisée par l'armée française. Ça a commencé avec la première mission militaire française au Japon qui était dans les années 1886, 7, 8, par là. 1866, 7, 8, pardon. Qui avait été envoyée par Napoléon III. Et puis après, il y a eu plusieurs autres missions militaires par la suite, dans les années justement 80, etc. Et c'est là où la baïonnette japonaise a été vraiment formalisé, c'est-à-dire qu'on a parti de techniques d'enseignement militaire françaises. Elles ont été adaptées, digérées et reformulées petit à petit avec un syllabus, je dirais, japonais. Mais néanmoins, on peut faire un cocorico pour juste parce que les débuts vraiment de la baïonnette au Japon viennent de la France. À l'époque, il est évident que on ne parle pas encore de Budo, on ne parle pas de voie martiale, on parle d'art, non pas de voie, mais vraiment d'art martial, c'est-à-dire qu'on enseigne la baïonnette à l'école militaire et le but, même si on met une armure de kendo et même si on fait des combats, c'est pas absolument pas de la compétition, c'est absolument pas la recherche, humanisme sur soi et compagnie, c'est un but purement martial, c'est grâce à la baïonnette. Enfin, en partie grâce à la baïonnette que l'armée japonaise a prévalu sur l'armée russe pendant le conflit russo-japonais, avec une supériorité technique de l'infanterie qui était sur le maniement de la baïonnette et d'autres armes au corps à corps, mais vraiment de la baïonnette qui était vraiment jamais vue ailleurs. C'est-à-dire que les Japonais, si on avait mis les Japonais face aux Français à l'époque, en combat de baïonnette, je pense pas que les Français auraient tenu fort longtemps parce qu'ils ont vraiment pris les techniques françaises, ils les ont vraiment raffinées. En fait, on dit souvent que les Japonais ont utilisé des techniques de lance, de Sojutsu, et qu'ils les ont combinées avec ce qu'ils avaient appris des Français pour créer le Jukendo. Alors c'est pas faux, mais c'est pas entièrement vrai non plus. C'est un peu compliqué. Il y a aussi des techniques finalement tout simplement de kendo, de kenjutsu qui ont été adoptées aussi. La façon de se déplacer provient plus finalement en partie des techniques de kenjutsu que des techniques de yali, parce que c'est vrai qu'en yali, si on prend par exemple Ozoinu ou d'autres techniques de lance au Japon, on a des positions qui sont quand même très 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 basses et des positions qu'on n'a absolument pas en jukendo. Au contraire, on privilégie des taisabaki, enfin des mouvements très très véloces et très légers, absolument pas apesantis comme on peut retrouver dans d'autres traditions de Sojutsu.
Donc, c'est pas si simple, c'est pas vraiment un mélange yali ou lance, sojutsu et baïonnette française. C'est tout un tas d'influences qui sont mélangées. En fait, il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup d'échecs, beaucoup de. C'est un processus qui, quand même, qui s'étale sur de nombreuses années avant d'avoir un corpus, enfin, un syllabus de technique japonaise à la baïonnette. Je pense qu'il est important de faire une distinction entre les arts martiaux qu'on pratique maintenant en 2017, en tout cas les arts martiaux qu'on peut qualifier d'après-guerre, et les mêmes arts martiaux, c'est-à-dire que bon, le judo, le kendo, le jukendo, le karaté, l'aïkido, etc. Et ces mêmes arts martiaux tels qu'ils étaient pratiqués avant la guerre, je parle bien sûr de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à saisir, que ce soit à l'étranger ou même que ce soit au Japon d'ailleurs. Peut-être moins au Japon, mais enfin, et quand même. C'est-à-dire que le Japon, à partir pas dans les dates précises, mais des années, au moins déjà les années 20, et puis évidemment, bien évidemment, dans les années 30, 1930, le but vraiment des arts martiaux à cette époque-là tend vraiment à supporter le militarisme ambiant du pays. C'est-à-dire que là, vraiment, les arts martiaux sont vraiment, vraiment faits pour créer, générer des soldats pour l'armée impériale. Et il n'y a que cet unique but, on pourrait dire. D'une façon générale, les arts martiaux enseignés alors à l'école, dans toutes les écoles du Japon, servent à soutenir en fait cette idée de militarisation du pays. De nos jours, les arts martiaux modernes, même le jukendo, même la baïonnette, sont pensés comme étant un outil en japonais, on dit ningen kese, c'est-à-dire de travail sur soi. En anglais, on dirait self-development ou character building. C'est-à-dire, en gros, on travaille sur ses faiblesses, sur sa personnalité pour se rendre meilleur d'une certaine façon. Maintenant qu'on fasse du jukendo, qu'on fasse de l'aïkido, finalement les buts sont les mêmes. Par contre, si on revient avant la guerre, il est évident que par exemple le jukendo et le tankendo sont des arts martiaux qui sont uniquement faits pour être efficaces et pour tuer ou éliminer un ennemi sur le champ de bataille. À la même époque où l'aïkido commence à vraiment se développer et s'implanter au Japon, on peut dire de l'aïkido que c'est un art martial civil, c'est-à-dire qu'un art martial pour les civils et qui en fait se construit dans le cadre de la loi, c'est-à-dire que techniquement les civils, on n'a pas le droit de tuer qui que ce soit, même on ne peut pas blesser quelqu'un, et donc l'aïkido, de ce point de vue-là, est un art martial éminemment civil parce que l'idée est de contrôler un adversaire ou de en tout cas soit de l'éviter, soit de le contrôler, mais en ne le blessant pas ou en tout cas en ne le blessant que très peu. Ça, c'est sur un côté du spectre. De l'autre côté du spectre, on a évidemment le jukendo, le tankendo, qui eux sont vraiment éminemment militaires et qui sont vraiment faits pour se débarrasser d'un ennemi. Ça, c'est une opposition qui est très facile. C'est-à-dire qu'on a l'aïkido, par exemple. Et le jukendo. Il faudrait pas penser que avant la guerre, les autres arts martiaux comme le judo ou le kendo soient plus ou moins de ce côté-là du spectre. Même l'aïkido, à vrai dire, a des tendances un peu nationalistiques et militaristes d'une certaine façon. En tout cas, le kendo, le judo, le kudo et même le naginata, avant la guerre, il n'y a aucun idéal philosophique ou quoi que ce soit. Le but du jeu, c'est de former des soldats. Ce qui est intéressant, c'est que à la fin de la guerre, quand les Américains ont banni les arts martiaux au Japon, bon, ils les ont bannis pour 5-6 ans, quelque chose comme ça, 10 ans maximum peut-être. Ce qui est intéressant, c'est que quand les arts martiaux modernes se sont reformés, ils ont adopté un côté extrêmement sportif. De ce côté-là, ils ont perdu d'une certaine façon leurs attraits martiaux. Mais je pense qu'on peut réellement parler d'un sport martial. C'est-à-dire que ce soit même en kendo, alors je sais que les initistes du kendo vont crier haut et fort que le kendo n'est pas un sport, blablabla, mais bon, il faut quand même voir la réalité en face, c'est qu'on a des championnats du monde, on a au Japon des tournois préfecturaux quasiment toutes les semaines, on a
une emphase réelle de toutes les techniques de compétition. Alors, ça a des bons côtés, ça a des mauvais côtés aussi, mais bon, ne nous voilons pas la face. Le côté sportif a énormément pris le pas sur le côté martial. De ce fait, tous ces arts martiaux modernes ont été, on va dire, réacceptés en tant que discipline sportive ou discipline qui développe le caractère au Japon. La seule exception, finalement, c'est le du kendo, parce qu'il y a cette image de baïonnette. Alors, c'est intéressant parce que finalement, les objectifs du kendo et du tangendo moderne sont les mêmes que ceux du kendo, du karaté ou du judo. C'est-à-dire, c'est travailler sur soi et essayer de s'améliorer soi-même. Dans l'opinion publique, c'est toujours un art martial qui est un peu pas banni ni tabou, mais qui est classé, on va dire, séparé des autres. Alors il y a cette image, effectivement, de la baïonnette. On dit oui, mais la baïonnette, c'est un instrument de mort sur les champs de bataille. Ça a été fait, c'est une arme qui a été faite pour tuer, ce qui est tout à fait vrai, effectivement. Mais cela dit, on oublie assez rapidement le nombre de morts au Japon par le sabre. Le sabre, il y a un côté romantique, le samouraï, le machin, tout que la baïonnette ne peut pas avoir parce que c'est jamais qu'un vieux couteau rouillé qui tranche très mal. Finalement, très peu de gens au Japon pratiquent le jukendo et le tangendo. À vrai dire, comparé aux autres fédérations, on peut dire qu'au moins 90% des pratiquants font partie de l'armée japonaise, ce qu'on appelle le Jietai ou les forces d'autodéfense. Cela dit, et depuis quelques années déjà, de plus en plus de femmes pratiquent. C'est vrai que c'était très masculin jusqu'à présent, et aussi de plus en plus d'enfants. Alors ça crée là, depuis quelques mois, ou depuis en tout cas très récemment au Japon, ça crée quelques problèmes, enfin en tout cas quelques débats. Le Jukendo faisant partie des 9 fédérations d'arts martiaux qui sont englobées dans le Nippon Budokan, donc les 9 étant le Judo, le Kendo, l'Aïkido, le Karaté, etc., le Sumo, le Chōiji Kenpo, puis j'en oublie, l'Aïkido, et donc le Jukendo. Au même titre que les autres fédérations et que les autres disciplines, ont le droit d'être enseignés à l'école. Quand je dis à l'école, c'est au collège. Alors, ça a créé beaucoup de débats au Japon parce que beaucoup disent que c'est une résurgence du côté militaristique, nationalistique du Japon, d'avant-guerre. Enfin, en tout cas, beaucoup de débats. Je pense que c'est un bon débat. Parce que, en tout cas, d'un point de vue occidental, c'est vrai que ça peut paraître bizarre de mettre entre les mains d'un enfant un fusil enfin, en tout cas, un fusil, pas un vrai fusil, hein, un fusil en bois, avec une baïonnette pour aller faire du sport. C'est pas quelque chose d'évident, ça, je comprends tout de suite. Je pense qu'il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de réponse tranchée à ce débat, c'est-à-dire que l'on apprenne à un enfant à fendre le crâne de son adversaire ou lui transpercer la gorge avec un sabre ou utiliser une baïonnette, dans l'absolu, on va dire, imaginé ou fantasmé de l'art martial, le résultat est le même. D'un point de vue pédagogique, le jukendo, le tankendo peut apporter en tout cas énormément de choses. En tout cas, les mêmes choses que le kendo, à savoir le contrôle de soi, des facultés athlétiques, facultés mentales, des bons réflexes, ce genre de. En fait, tout ce que peuvent apporter les autres arts martiaux, tout simplement, il n'y a pas de différence à ce point de vue-là. La polémique actuelle est surtout basée sur des jeux politiques au Japon en tout cas, entre droite, gauche, conservateur, etc. Et qu'en tant que pratiquant d'arts martiaux, je pense pas que ça nous appartienne à nous de se poser dans ce. Enfin, on peut toujours avoir voix au débat, mais y prendre totalement part, je pense pas que ça apporte grand-chose, pour être honnête. Effectivement,
Comme les neuf, enfin comme les huit autres arts martiaux qui sont autorisés à être enseignés dans les écoles. Alors il y a probablement des milliers de collèges qui enseignent le judo et le kendo. Dans tout le Japon, pour l'instant, qui enseigne le jukendo, il y a une école, je crois, vers Yokohama. Et je crois qu'il y en a une deuxième, un deuxième collège à Hokkaido. Ou alors ils en discutaient et c'était pas encore sûr. Donc en gros, il y en a une ou deux. Donc ça va, je pense que c'est pas demain que on aura une soif de sang chez les enfants et une vague militaristique pardon, qui va engloutir tout le Japon. Mais cela dit, il faut quand même rester vigilant parce qu'il y a toujours des groupes d'extrême droite et ce genre de gens qui militent pour certaines idées qui sont pas forcément les bonnes. Beaucoup de gens pensent, quand ils pensent à arts martiaux, ils pensent plutôt qu'à arts martiaux, ils pensent surtout self-défense. C'est-à-dire, est-ce que je peux apprendre quelque chose qui va me permettre de me défendre en cas d'une situation, enfin, si je suis agressé dans la rue, ou s'il y a une attaque terroriste, ou que sais-je. À mon avis, hein, maintenant je peux peut-être me tromper, mais à mon avis, je pense que la réponse est non, ça sert pas à grand-chose. Honnêtement, d'apprendre des arts martiaux, moi que ce soit japonais ou coréen ou chinois ou ce qu'on veut, dans une optique de self-défense, à la limite, je dirais autant faire du MMA, je pense que c'est beaucoup plus efficace, ou alors apprendre des techniques de combat militaire, à mon avis, c'est encore plus efficace. Mais en fait, je crois que c'est un faux débat, le sujet n'est pas là. Les gens qui font des arts martiaux, du moins en Europe, enfin en Occident, continuent à le faire avec une idée de, justement, cette, dont on parlait avant, de ce côté un peu philosophique, de travail sur soi, peut-être de méditation, de bien-être. Et ça c'est, je pense, c'est quelque chose qu'on peut trouver effectivement dans les arts martiaux japonais ou chinois ou ailleurs. Je pense, une fois de plus, à mon avis, qui s'est créé un décalage, un fossé entre la vision qu'ont les étrangers ou les occidentaux des arts martiaux japonais et la vision et la pratique qu'ont les japonais par rapport à leurs propres arts martiaux. Alors, pour parler plus clairement et d'expérience, moi je connais encore énormément de gens d'étrangers qui commencent les arts martiaux japonais parce que justement ils sont en quête de quelque chose pour eux ou en tout cas pour leur bien-être ou d'une philosophie. Au Japon finalement les gens qui font du kendo, du judo, le côté, ce côté ningen kese dont on nous rabâche beaucoup les oreilles au Japon, en fait il est pas inexistant mais il est quasiment inexistant. C'est-à-dire qu'en gros, et que ce soit en judo évidemment, en judo, mais même en kendo, c'est... Alors, on parle beaucoup de justement de développement personnel, etc. Mais enfin, on en parle et on en parle seulement. Il se passe pas grand-chose après les discussions. Et quand même, le côté compétitif et le côté sportif prend énormément le pas sur beaucoup d'autres considérations. Il y a une espèce d'incompréhension et je le vois à l'université des Budo. Souvent, on a des gens qui viennent, des étrangers qui viennent un an à l'université des Budo pour apprendre. La philosophie, la culture, et tout ce genre de choses un peu, cette espèce de nébuleuse des arts martiaux, un peu fantasmée, il est vrai, mais qui, quand même, il n'y a pas de fumée sans feu, donc qui existe d'une certaine façon. Et souvent, ils se retrouvent confrontés avec un apprentissage des arts martiaux à l'université qui, lui, est purement, est-ce qu'on va gagner la prochaine coupe universitaire, il y a une compétition à Tokyo le mois prochain, il faut faire ci, il faut faire ça, qui est quasiment purement sportif. Et ça, c'est vraiment une réalité, c'est-à-dire qu'il y a un fossé qui se crée, et il y a une incompréhension finalement qui se crée, et moi je le vois, pour avoir côtoyé les gens qui faisaient du judo à l'université, c'est pareil, ils avaient cette incompréhension, où on arrivait à un moment où si les étrangers quasiment enseigner les katas de judo aux élèves japonais parce qu'ils les connaissaient pas, et je parle même pas des katas de kendo, c'est la même chose. Ce fossé qui se crée, plus il va se, comment dire, plus le fossé va s'élargir,
plus on va avoir des situations, je pense, problématiques. Et j'ai bien peur que plus le fossé s'élargit, c'est plus le Japon risque de se refermer un peu sur lui-même. Les gens qui viennent apprendre les arts martiaux au Japon, je pense qu'il faut absolument qu'ils mettent de côté un peu leur côté, leur rêve ou leur côté fantasme ou quoi que ce soit, et qu'ils viennent juste avec humilité apprendre tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils peuvent apprendre, c'est-à-dire le côté technique, le côté culturel. En tout cas, voilà, moi je vois beaucoup de jeunes gens qui viennent à l'université, qui finissent pas dégoûtés, mais qui ont une certaine désillusion des arts martiaux au Japon et des arts martiaux en règle générale. L'internationalisation des arts martiaux, c'est quelque chose qui a commencé depuis une vingtaine d'années, on va dire, sérieusement, mais on n'en est vraiment qu'au balbutiement et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail sur ce, en tout cas sur ce problème-là. Le fait qu'il y a ce fossé qui se crée, il est aussi présent dans cette idée de est-ce que ce que je pratique est efficace ou pas? C'est-à-dire, est-ce que si je fais du karaté, je peux me défendre? Est-ce que si je fais du, j'en sais rien moi, du kendo, je peux me défendre? Ça, c'est une idée qui, à mon avis, est plutôt occidentale. Je pense pas qu'au Japon, on se pose vraiment cette question. L'idée, c'est soit une pratique sportive, soit une partie, on va dire, une pratique, on va dire, un peu communautaire, c'est-à-dire on se retrouve, on partage un moment ensemble. Soit c'est une pratique voilà, de réflexion sur soi-même. Mais ce côté de je vais utiliser ce que j'apprends dans un combat de rue ou dans un combat de bar, déjà des combats de rue ou de bar au Japon, apprendre du karaté ou de l'aïkido dans un combat de rue ou dans un combat ou quand on est agressé, il y a de fortes chances pour que ça ne serve pas à grand-chose. À moins qu'on en ait fait des années et des années. Par contre, la pratique des arts martiaux peut donner un certain aplomb qui permettent de se sortir d'une situation compliquée en ayant la force soit de parlementer, soit de discuter, et sans avoir à se battre. Et ça, je pense, ça c'est un idéal qui existe depuis longtemps au Japon, mais je pense que c'est quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire qu'on a une capacité à désamorcer les conflits. En comparaison avec des gens qui n'ont pas fait d'arts martiaux, par exemple. Et ça, c'est un point intéressant qui mérite d'être étudié. Et donc, ça donne une certaine validité aux arts martiaux qu'on pratique aujourd'hui. Alors, au Japon, il y a un truc qui est super pratique, c'est quand on vous dit, si vous faites des arts martiaux, vous serez quelqu'un de bien. C'est cette idée, encore une fois, là, de Ningen Kese qui veut dire améliorer l'humain, finalement. C'est plus facile de traduire ça en anglais qu'en français, mais bon. En tout cas, de s'améliorer soi-même. Et donc, on part du principe que tous les gens qui font des arts martiaux, c'est forcément des gens bien et tout. Alors, on est quand même assez éloigné de la vérité parce que, bon, pour être honnête, en une dizaine d'années au Japon, dans le milieu des arts martiaux, on croise des gens vraiment exceptionnels, des gens vraiment très bien, très intéressants. Et on croise une ribambelle de gens qui ne le sont absolument pas, ni intéressants, ni honnêtes, ni quoi que ce soit d'ailleurs. Et donc, faut quand même bien se rendre compte que c'est pas parce qu'on fait des arts martiaux que de suite, on va atteindre des sommets de probité. Et de connaissance de soi et de sagesse et quoi que ce soit, c'est des conneries. En fait, chacun met, en tout cas, recherche ce qu'il veut dans sa pratique et met ce qu'il veut bien y mettre, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que si on a envie vraiment d'essayer de se renouveler, de s'améliorer, de chercher, de faire à comprendre une culture, donc c'est quelque chose de très intéressant, mais enfin, si on a envie de rester un connard toute sa vie, on peut faire 40 ans d'aïkido, ça va pas. Donc ça, c'est un peu le truc, c'est les Japonais vendent beaucoup ça, les arts martiaux, le budo, c'est un peu l'argument de vente, c'est-à-dire, si on fait des arts martiaux, ça veut dire quelqu'un de bien, peut-être.
C'est possible, mais c'est pas sûr. Il faut voir. Moi, c'est surtout, je pense que c'est surtout intéressant, ça permet déjà de connaître une culture, parce que quand même, on a beau dire, on a beau faire, le Japon, c'est quand même une culture qui est quand même très très éloignée, très, très très éloignée de la nôtre en tant qu'Européen ou Français. Et le fait de comprendre une culture, ça permet de comprendre encore mieux finalement l'art martial qu'on pratique, pardon. On peut pas vraiment dire qu'on est arrivé à un certain niveau. Alors oui, il y a des grades, on peut être 8e dan, ce qu'on veut, mais et je pense pas que ce soit par humilité, mais au bout d'un moment, on finit par accepter et comprendre que on n'en sait jamais assez, il y a forcément une étape après, alors on peut être meilleur qu'avant ou meilleur que d'autres personnes, mais il y a toujours de quoi creuser, il y a toujours de quoi faire. Ça, c'est un aspect. Les gens qui prennent la retraite, c'est les gens qui soit n'ont plus rien à enseigner, soit réalisent que leur niveau n'est plus suffisant pour garder leur position politique qu'ils avaient ou quoi que ce soit. Mais les gens qui pratiquent avec sincérité, ils pratiquent jusqu'à ce que ils ne puissent plus, soit par maladie, soit par vieillesse, soit. Est-ce qu'il faut venir au Japon pour s'entraîner? Moi, je dis oui. Parce que malgré tout, même si on peut apprendre beaucoup de trucs techniques en Europe, parce qu'il y a un niveau technique. Alors, ça dépend des disciplines, hein. Évidemment, il y a des disciplines qui sont où il y a moins de sensei, où il y a moins de niveau technique à l'étranger qu'au Japon. Mais par exemple, pour rester en France, hein, je veux dire, il y a un niveau en aïkido qui est très très développé, je pense. J'ai des gens comme Christian Tissier. À l'époque, il y avait Tamula, c'était ça, bon, qui est décédé maintenant, je crois. Mais bon, il y a quand même vraiment un niveau, un très bon niveau. On a du très bon niveau en kendo. Bon, du kendo, il n'y a pas de pratiquants en France ni en Europe, ou très peu en tout cas, donc on peut pas encore se comparer à ce niveau-là. Mais même en karaté, il y a des très très bons niveaux en Europe. Donc le niveau technique, ça s'apprend facilement, je pense, en Europe. Maintenant, la technique ne faisant pas tout, finalement, tous les aspects culturels, les aspects historiques, etc., je pense qu'au final, il n'y a qu'au Japon qu'on peut venir les chercher. Et malheureusement, qu'au Japon, en pouvant parler japonais déjà, et si possible en pouvant lire, parce que si on parle pas japonais, si on ne peut pas lire le japonais, on passe à côté de beaucoup de choses malheureusement. Et si on parle japonais, on peut apprendre beaucoup de choses en discutant avec les gens, mais il y aura tout un pan de la culture. Alors il existe des traductions de tous les bouquins, Gorin Dosho, Heo Kadensho, Mune no Ri et compagnie, qui sont certes très très bien, mais qui ne remplaceront pas une lecture directe finalement des originaux. Et donc c'est pour ça que moi j'ai essayé d'apprendre un maximum le japonais. Alors je suis pas si doué que ça, pour être honnête, je galère beaucoup. Il y a des gens, ils traduisent un bouquin en 3 mois, moi des fois il me faut 4 ans. Mais au final, je pense que l'effort en vaut la chandelle. Donc venir au Japon, c'est intéressant. Maintenant, dans quelles conditions, c'est le problème. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a à boire et à manger, et puis il y aura des dojos vraiment très accueillants et qui soient d'un niveau très très bon, avec des gens qui sont capables d'expliquer des tonnes de choses. Et il peut y avoir des dojos où n'enseignera pas, ou vous retirerez pas grand-chose, quoi. Donc l'introduction, c'est ce qui est le plus important au Japon, c'est-à-dire qu'il faut. Le mieux, c'est de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut vous introduire dans un dojo. Ça marche comme ça, parce que si on arrive comme ça, sans introduction, sans rien, on vous accueillera, vous pourrez vous entraîner, mais vous apprendrez jamais rien, quoi. Donc c'est un aspect assez difficile que les gens ont parfois du mal à comprendre. Et donc où s'entraîner, ça c'est une question qui est difficile, parce que ça dépend aussi de la discipline. C'est-à-dire que si on fait du judo, probablement le Kodokan c'est bien, mais probablement il y a des très bons dojos ailleurs. Si on fait de l'aïkido, l'aïkikai c'est très très bien aussi, mais il y a de toute façon de très bons dojos ailleurs aussi. En kendo, on peut aller à l'université des Budo, à l'IBU, mais il y a aussi effectivement d'autres universités où il y a de très très bons. Alors je pense que le mieux c'est de se mettre en rapport avec les gens qui connaissent un peu dans chaque discipline et qui seront capables d'orienter les gens. Si on vient tout seul, c'est risqué. Si on est chanceux, on peut tomber sur des bons dojos. Sinon, c'est quand même une perte de temps, quoi. Et d'argent, beaucoup. Donc,
C'est pas un choix anodin de venir s'entraîner au Japon, mais si c'est fait dans des bonnes conditions, ça ne peut être que positif. Si c'est fait dans des mauvaises conditions, ça peut être très certainement négatif. Je pense que c'est positif de faire à la fois des. Donc pour les gens qui font de l'aïkido, peut-être faire de l'aïtoryu, ou peut-être faire des écoles de jujitsu anciennes, ou même de kenjutsu, parce que c'est l'aïkido très très proche de. On trouve très très des choses qui sont proches de. Il y a du shinkan-geryu, même au nord aïtoryu, il y a des concepts qui sont. Comment dire, qui se complètent. Des gens qui font du kendo, faire du yai, ou même faire de l'aïkido. Donc c'est intéressant au début en tout cas d'essayer d'emmagasiner beaucoup de connaissances dans différents budos et après de choisir une voie et d'essayer de l'affiner au maximum. Voilà.